Je vous le disais à l'entame de cette édition que nous avons sur ce plateau comme invité du journal le directeur général de l'École nationale d'administration du Tchad, l'ENA. C'est Monsieur Senoussi Hassan Abdoulaye. Une fois de plus, bonsoir. Bonsoir. Lors de la rentrée, le 4 mars dernier, celle de la 18e promotion, donc de votre école, nous avons remarqué que cette rentrée s'est passée sous le signe d'une nouvelle dynamique. Qui dit nouvelle dynamique dit innovation. Quelles sont les innovations au sein de l'ENA? D'abord, je voudrais vous remercier de m'avoir invité pour parler de l'École nationale d'administration. En termes d'innovation, il faut commencer par dire qu'après un concours exigeant et transparent qui a conduit à la sélection des élèves de la 18e promotion, nous avons premièrement commencé par réviser notre curriculum de l'École nationale d'administration, c'est-à-dire le programme d'enseignement, pour quatre raisons. Premièrement, cette révision de notre curriculum s'imposait parce qu'il fallait recruter des personnes qui vont essentiellement et strictement servir l'administration. Il fallait définir les filières exprimées par l'État et faire un programme qui réponde strictement aux besoins de l'administration. Deuxièmement, il fallait aussi s'arrimer sur le système LMD. L'École nationale d'administration, même si elle n'a pas un caractère universitaire, ne peut pas du reste être en dehors du système LMD. Nous avons essayé dans notre révision du curriculum de faire un système LMD à finalité professionnelle. La troisième raison de cette révision s'imposait parce qu'il fallait introduire le bilinguisme au premier cycle et un peu au second cycle. La quatrième, c'est d'essayer d'introduire des matières qui sont aujourd'hui nécessaires pour des futurs administrateurs, c'est-à-dire des matières d'éthique, d'ontologie, des matières de la gestion de la chose publique, c'est-à-dire l'évaluation des politiques publiques, des matières liées aux objectifs du développement durable, ainsi que des matières liées à la connaissance du mode de fonctionnement de la société civile. C'était la première et la principale innovation que nous avons entamée avant de commencer la rentrée des élèves de la 18e promotion. La deuxième innovation, c'est dans le choix des enseignants. Beaucoup d'enseignants à l'ENA étaient purement universitaires. Il fallait essayer de choisir des enseignants professionnels parce que nous formons des personnes qui vont servir l'administration. Alors nous avons essayé d'imposer un mode de sélection strict. Nous avons été stricts pour recruter les élèves. Il faut l'être autant pour le recrutement des enseignants. Nous avons finalement précisé les critères qui sont des critères de diplôme et d'expérience pour le choix des enseignants. Troisième innovation, c'est que nous avons dans notre organigramme essayé de dynamiser une direction qui existe déjà, c'est la direction de la recherche appliquée. L'ENA ne peut pas faire que des enseignements classiques, elle doit également s'intéresser à la question de la recherche. Une autre direction qui est nouvelle, c'est la direction du partenariat et de la coopération, qui est une nouvelle dans notre organigramme. L'ENA n'évolue pas en vase clos, l'ENA doit avoir des partenariats avec d'autres institutions, nationales et internationales, avec des écoles ENA sœurs, notamment l'École nationale d'administration de France, du Maroc et bien d'autres, mais également des partenariats locaux avec l'Université de N'Djamena et bien d'autres institutions. Également, dans notre révision de l'organigramme, nous avons prévu un observatoire du bilinguisme. Et enfin, plus récemment, comme vous l'avez pu l'observer, la question des grands rendez-vous, c'est-à-dire des discussions, des échanges, des conférences qui s'organisent depuis quelques temps au sein de l'École nationale d'administration. Nous avons donc justement remarqué ces grands rendez-vous des très grandes personnalités telles que le gouverneur de la BEAC, le président de l'Assemblée qui sont invités pour avoir des échanges au sein de votre établissement. Pourquoi cela? Alors d'abord, nous avons estimé qu'il fallait de temps en temps rompre avec la tradition qui consiste juste à dispenser des cours classiques. Il fallait confronter les élèves aux réalités et aux problématiques nationales et internationales. C'est ainsi que nous avons pensé au grand rendez-vous de l'ENA. Il semble que par le passé, des grands débats comme ça se tenaient à l'ENA. Nous avons en fait renoué avec une tradition et essayé de temps en temps de rompre avec les cours classiques, les cours magistraux. Qu'est-ce que c'est que les grands rendez-vous de l'ENA? Les grands rendez-vous de l'ENA sont des grands moments d'échange, de confrontation d'idées, de contact avec un certain nombre de personnalités. Pourquoi? Parce que nos élèves sont destinés à assumer de grandes responsabilités. Il est nécessaire et même judicieux que dès les bancs de l'école, ils apprennent à être confrontés à ces personnalités-là. Il y a quatre formats qui sont prévus dans les grands rendez-vous de l'ENA. Le format de la leçon inaugurale, c'est celle que le président de la République, Idriss Déby Itno, avait utilisée. C'est celle de venir dispenser une leçon inaugurale. Lui l'a fait sur le thème de la citoyenneté.
Deuxième format, c'est celui de la conférence débat. C'est le format qu'avait utilisé le président de l'Assemblée nationale. Premièrement, la leçon inaugurale était destinée au pouvoir exécutif. La conférence débat était destinée au pouvoir législatif. Peut-être prochainement, le pouvoir judiciaire serait invité. Ensuite, la masterclass est une nouvelle forme aussi d'échange. C'était le format qui a été utilisé par le gouverneur Mamadou Abastoli, qui est venu nous parler un peu de son institution. Et enfin, le dernier format, c'est celui du partage d'expérience. Nous avons comme ça des personnalités qui comptent, qui sont des repères et qui peuvent servir de modèles pour notre jeunesse. Et il nous paraissait nécessaire de temps en temps d'inviter ces personnalités-là pour partager leur expérience avec les élèves de l'ENA. Ces grands rendez-vous répondent à ce besoin-là de confrontation, d'idées, de débats, et également pour les élèves de s'habituer un peu aux grandes personnes. Et ces grandes personnes ont invité à expliquer leurs institutions, le fonctionnement de l'État. Une autre initiative, le Media Training, qui s'est déroulé dernièrement, une initiative pour permettre aux étudiants de mieux gérer leur communication. Comment cela s'est passé? D'abord, le Media Training est une initiative de l'École nationale d'administration. Encore une fois, l'ENA forme des hauts cadres. Ces hauts cadres doivent apprendre à communiquer. Aujourd'hui, il y a un déficit de communication parfois au sein de l'État. Et quand certains serviteurs de l'État communiquent, ils le font parfois très mal. Et il nous paraissait encore une fois judicieux que sur les bancs de l'école, ils apprennent déjà à comment communiquer. Alors nous avons fait le Media Training, qui est en fait une formation sur les organes des médias, parce que nous sommes dans une société de communication, et la communication où les médias constituent aujourd'hui un quatrième pouvoir. Il est nécessaire dans ce cas de s'intéresser à ce quatrième pouvoir, de savoir comment il fonctionne. Alors le Media Training que nous avons fait était construit par l'aide d'un certain nombre de partenaires techniques. Et c'est l'occasion de le dire, l'ONAMA à travers la télé, chat et la radio nous ont accompagnés, Electron TV nous a également accompagnés, l'agence de communication Fortius nous a accompagnés, le journal Le Pays. Nous remercions infiniment tous ces partenaires techniques et un partenaire financier qui nous a aussi assistés, c'était le PNUD. L'objectif du Media Training était d'apprendre aux élèves de maîtriser les bases de la communication. La communication au sens large, c'est-à-dire télé, radio, presse écrite, et également la question des réseaux sociaux. Deuxièmement, qu'ils puissent comprendre les attentes de chaque organe des médias, de savoir communiquer en situation normale et en situation de crise, mais également de garder leur self-control face à certaines questions déstabilisantes des journalistes. Il n'y aura pas de questions déstabilisantes, mais plutôt des questions pour éclairer la lanterne. Monsieur le directeur général, présenté comme cela, c'est immense. Quels sont les moyens à votre disposition? Premièrement, il faut le dire, nous avons un soutien constant. C'est celui de nos autorités de tutelle. La présidente de la République, qui est la première institution de tutelle de l'ENA, nous appuie fortement. Deuxième institution de tutelle qui nous appuie beaucoup, c'est la ministre et secrétaire générale du gouvernement. Donc, le soutien de nos autorités de tutelle compte énormément dans les efforts que nous sommes en train de mettre en œuvre et dans les réalisations que vous voyez aujourd'hui. Deuxièmement, les moyens, c'est notre équipe. Moi, j'ai la chance d'être entouré par un staff administratif hautement compétent, donc des directeurs techniques à l'ENA que j'estime vraiment à la hauteur. Un personnel qualifié. Deuxième avantage que nous avons, en plus du staff, c'est un corps enseignant vraiment qualifié et dynamique. Nous avons dans le corps enseignant un corps enseignant permanent, qui sont vraiment des enseignants permanents qui sont extrêmement dynamiques, et un vivier d'enseignants vacataires vraiment qualifiés, déterminés, etc. Ce sont d'abord des moyens humains. Ensuite, quelques moyens matériels que nous avons essayé de moderniser modestement nos moyens matériels et nos installations à l'École nationale d'administration. Sur le plan financier, nous bénéficions d'un budget comme celui de d'autres institutions de l'État. Et pour l'ENA, ce budget, de temps en temps, il est quand même versé et il nous aide énormément. Bien sûr, nous sommes en train de préparer un projet, un plan d'action plus ambitieux et nous comptons organiser bientôt une table ronde pour associer les partenaires à nos démarches, à notre vision et à nos projets. Et à l'occasion de cette table ronde, nous souhaitons mobiliser énormément de ressources pour la réalisation de nos objectifs. Monsieur le directeur général, le concours de l'ENA, du moins les résultats du concours de l'ENA sont souvent décriés. Corruption, népotisme sont souvent des raisons évoquées. Alors, pour ce qui est du concours, il faut le savoir, qu'est-ce que c'est qu'un concours ?
C'est un mode, c'est une voie d'accès républicaine aux grandes écoles. Pour ce qui est de l'ENA sur le concours qui est l'unique... La transparence aussi. Qui est l'unique règle. Effectivement, qui dit concours dit égalité d'accès, transparence, rigueur, etc. Nous, à l'ENA, nous avons seulement pris nos responsabilités. Nous avons, au lancement du concours, essayé de modifier un peu la composition du jury. La composition du jury a été enrichie par la présence des personnes ressources, en dehors des personnes escalitées qui font bien leur travail. Après cette modification du jury... Qu'est-ce qu'il faut entendre par personnes ressources? Les personnes ressources, c'est les personnes... Parce que quand vous voyez les textes du concours, pendant longtemps, les textes du concours ont institué des personnes qui sont escalitées, c'est-à-dire des directeurs généraux dans différentes institutions qui deviennent membres du concours d'accès à l'ENA, du jury du concours d'accès à l'ENA. Les personnes ressources sont des personnes qui ont une compétence et une crédibilité reconnues de tous, qui peuvent être associées à l'organisation et à la délibération du concours d'accès à l'ENA. Après cette modification de la composition du jury, nous avons pris nos responsabilités en essayant d'organiser un concours tout simplement en appliquant les règles qui étaient inscrites dans l'acte lançant le concours. C'est-à-dire l'arrêté lançant le concours dit que tous les Tchadiens de sexe masculin ou féminin peuvent postuler au concours sous un certain nombre de conditions. En essayant de remplir ces conditions, il n'y a pas de discrimination par rapport à une ethnie, par rapport à une communauté. Ce sont les résultats, monsieur le directeur général, qui font souvent l'objet des contestations, qui sont souvent décriés par les candidats. Malheureusement, il y a eu, par le passé, un certain nombre de pratiques, un certain nombre de fantasmes aussi, par rapport à l'organisation du concours et aux résultats. Mais j'estime que si les règles du concours étaient strictement appliquées, comme ce fut le cas à l'occasion du dernier concours, qui ne souffre d'aucune contestation, il n'y a pas de raison de décrier les résultats des concours d'entrée à l'ENA. Nous disons la chose suivante, l'ENA est une école républicaine. Elle est ouverte à tous les Tchadiens et les critères qui ont cours à l'ENA sont les critères d'excellence et de mérite. C'est ce qui s'est passé à l'occasion du dernier concours. C'est ce qui s'est passé à l'occasion du dernier concours, donc pour ceux qui voudraient entrer à l'ENA, c'est clair, c'est transparent. C'est transparent. D'abord, il faut bien le dire, n'entre pas à l'ENA qui a envie. Hein, c'est celui qui peut. C'est une grande école. Voilà, c'est une grande école. Et puis, en tant que telle, elle a des exigences. Donc, n'importe quel Tchadien peut postuler au concours de l'ENA. Et puis, il peut avoir les champs de manière égalitaire pour accéder à cette grande école. Et malheureusement, je le disais, c'est certaines pratiques qui ont existé. Ces pratiques maintenant appartiennent au passé. Aujourd'hui, depuis quelque temps, l'école est en plein changement, en pleine mutation. Ces questions liées à l'absence de transparence n'existent plus. La preuve, comme je le disais, à l'occasion du dernier concours, ces résultats ne souffrent d'aucune contestation. C'est votre mot de fin? S'il faut dire un mot de fin, c'est remercier nos partenaires, bien sûr, l'ONAMA à travers la télé Tchad et la radio, qui suivent et qui couvrent énormément nos activités, Electron TV également. Mais nos autres partenaires qui nous accompagnent, nous souhaitons poursuivre cette dynamique par le soutien constant de nos autorités de tutelle, par nos partenaires techniques et financiers. Et nous avons l'ambition de faire de cette école, comme elle était par le passé, une grande école de la République. C'est nous aussi, et cette fois-ci c'est notre tour aussi de vous remercier. Merci à vous d'avoir bien voulu répondre à nos questions. Je rappelle que nous avons reçu sur ce plateau comme invité Senoussi Hassana Abdoulaye. Il est le directeur général de l'École nationale d'administration, l'ENA, du Tchad.